En tout cas, il y a un autre exercice artistique qui est très compliqué à réaliser, c'est le cirque. Et M. Charles Aznavour qui vient nous rejoindre, s'il vous plaît, en parle très joliment dans sa chanson culte. Les comédiens, les élèves rendent hommage à notre invité d'honneur en chantant pour lui et pour vous. Les comédiens, sous le regard bienveillant du maître, M. Charles Aznavour. Musique, c'est parti. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade, étendu les calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Une histoire un peu triste, tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous la montrez sur Baptiste pour vivre avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois pauvres retentiront de la nuit, ils vont renaître à la vie les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont ôté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront enfant des gueules de chacun et peu de la sérénade et du bonheur d'Agrican. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens. Magicien qui arrive bien. Les élèves de la Star Academy chantent une chanson de Charles Aznavour, une chanson culte devant le maître Charles Aznavour et les élèves. Bravo. Très belle mise en scène. Allez vous asseoir, je vous en prie. Très belle mise en scène de Kamel Wally avec les artistes du cirque d'hiver Bouglione qui présentent leur nouveau spectacle, Voltige. C'était une chanson difficile à interpréter, surtout quand on la chante devant le maître. Monsieur Aznavour, est-ce que vous êtes satisfait de leur prestation ce soir? Parce qu'ils avaient un peu le trac pendant la répétition, ils doutaient. Ça, c'est pas vu, c'est le principal. On a toujours un peu le trac, mais si ça se voit, c'est la pire des choses. Mais là, ça ne se voit pas du tout et c'était très bien. Le trac jusqu'au bout quand on est artiste. Et puis il y avait tout le mouvement autour. Il y avait la danseuse de cordes, il y avait celui qui était monté sur ces deux piliers, là. J'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un qui jonglait. C'était très, très bien, vraiment. Il faut des chorégraphies, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'écouter ces jeunes gens qui ont 18, 19, 20 ans et qui chantent des chansons que vous avez écrites il y a plusieurs décennies? Ben d'abord, il y a une chose qui me plaît beaucoup, c'est ce que j'avais dit une fois en scène, il y a à peu près 6 ans. J'ai dit, malheureusement, on ne chante plus les anciennes chansons, les Américains font des standards uniquement parce que les artistes américains chantent les chansons de toujours. Et depuis un certain temps, on chante les chansons de toujours. Et à Star Academy, j'ai remarqué qu'on reprenait souvent des anciennes chansons, ce qui fait vivre les chansons, revivre les chansons et faire des chansons des standards. Il n'y a aucune raison que la France n'en ait pas. Nous avons les plus belles chansons du monde quand même. C'est vrai, vous avez raison. Et voilà.